Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la période des fêtes. Alors je me suis dit qu'un petit yoga lat pour booster votre digestion et essayer de garder une jolie taille fine devrait certainement vous satisfaire. Donc pour commencer aujourd'hui, je vous demande comme d'habitude de bien placer vos fesses au sol. Pour ce faire, c'est les ischios, les petits vous avez sous les fesses qui sont au sol. On ne roule pas les fesses vers l'arrière, vers le sacrum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à retendre vos jambes légèrement ici vers l'avant. Bien, on reste avec les épaules en ouverture, notre colonne est bien redressée. Je vais inspirer, monter les mains en prière et expirer, ouvrir. Allez, première torsion. Donc, ce sont beaucoup les torsions hein, qui vont permettre de booster un petit peu votre digestion, de masser le système digestif. Inspirez, montez les mains en prière et expirez. La même chose de l'autre côté. Allez, on se grandit, on sent aussi le dos qui libère ses tensions. Et on va passer sans plus tarder ici à genoux, exactement pour refaire la même chose, des torsions. Donc, inspirez, montez les mains en prière et expirez. Twist. La même chose de l'autre côté. Inspire et expirez. Ouvre. Parfait, parfait. On revient au centre. On va placer les mains ici vers l'avant. Et puis on va passer en chien tête en bas, juste pour réveiller quand même un petit peu notre chaîne postérieure. Aujourd'hui, plein de torsions pour votre plus grand plaisir. Et tranquillement essayer de fléchir les genoux l'un après l'autre. Et on va tout de suite basculer en planche. Et ici, on va rester. Si c'est difficile, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol. Et si tout va bien, on reste. Et on va essayer de passer, regardez ici, en planche latérale. Si tout va bien, on peut coller les pieds. On peut peut-être même ramener la plante de pied ici. Si c'est difficile, au contraire, posez un genou au sol et on revient face, planche et genou. Planche latérale de l'autre côté. Serrez bien, ouvrez bien et ramenez. On revient en chien tête en bas. Et ici, tranquillement, on va décaler une jambe vers le plafond. Ramenez le genou poitrine. On retend, on repose. Tendez, fléchissez, ramenez, posez. Allez, encore une. Et ici, maintenant je vais décaler une jambe pour placer le pied entre mes deux mains. Et on va placer le pied arrière, ici face. Donc le votre talon est à peu près au milieu du pied arrière. Restez en flexion, allongez le dos. Et on va se redresser ici pour passer donc en triangle. On serre le ventre, épaules basses. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Je décale, j'incline plus ou moins ici pour descendre plus ou moins la base. Ce qui compte, c'est de rester en ouverture. Et si tout va bien, peut-être qu'on peut passer face à sa jambe. Et si tout va bien, peut-être que je peux ouvrir ici vers l'arrière. Si ça ne va pas, restez en triangle. Ouais. Soufflez. Ramenez. Et on va venir avec nos pieds ici au centre. Pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais prendre le temps juste de me replacer, de me redresser. Et on décale. En triangle. Et si tout va bien, peut-être que je place mon buste face à ma cuisse ou que je peux passer ici en triangle inversé. Donc ça c'est bon pour votre taille, mais aussi on sent très fort les jambes qui tirent. Donc si c'est difficile, n'hésitez pas à être raisonnable. On revient ici au centre avec les deux pieds à 10h10 et là, on ramène un genou au sol. Peu importe, on va faire les deux côtés. Vous pouvez faire le même que le mien ou changer. Donc si vous êtes à l'aise ici au niveau des fessiers, peut-être que vous avez le genou fléchi, les deux genoux même fléchis. Et si c'est compliqué, parce que vos fesses roulent, n'hésitez pas à tendre ici la jambe devant. Ouais. Allez, on allonge le dos, on replace les fesses et puis on va juste twister. Voilà, sur le côté, ouvrez bien l'épaule. Respirez profondément, allongez la colonne vertébrale. Et on va revenir face, juste pour changer. Allez, d'abord, je me replace. J'allonge le dos, j'inspire. Et j'expire. Allez, twist de l'autre côté. On étire le fessier au passage.
Et puis on va passer sur le dos pour pouvoir faire un exercice ici. Donc je vous avais dit yoga lat, hein, donc avec des exercices inspirés du pilates qui va permettre ici de renforcer un peu le centre, mais aussi surtout de booster votre digestion toujours. Donc placez les paumes de main vers le sol, tendez les jambes et ici on va juste, voilà, décaler les pieds en diagonale. Vraiment une diagonale pour que vous sentiez la taille qui travaille. Donc ne posez pas les jambes complètement au sol, sinon vous allez partir dans l'étirement. Allez, sur le côté et je reviens. On serre le ventre, ça, très important. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à faire la même chose, mais avec les genoux fléchis. Oui, allez. On revient sur le côté et je ramène. Allez, juste encore un peu pour être sûr qu'aujourd'hui, on va rebooster votre digestion après peut-être tous les excès que vous avez fait. Alors, ne culpabilisez pas, hein, sinon ça fait grossir de culpabiliser, au contraire. Tant pis, un petit excès, c'est pas grave, votre corps va gérer, il n'y a pas de problème. Allez, on termine. Soufflez bien au retour. Inspirez en plaçant les jambes sur le côté. Et voilà, voilà, votre calvaire est terminé. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à refaire l'enchaînement ou à pérenniser un petit peu les exercices qui travaillent votre centre. Je pense par exemple à la planche ou à cet exercice de torsion que l'on vient de faire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous vous sentez plus léger après l'avoir faite. N'oubliez pas de passer sur www.myfitnesslesite pour retrouver d'autres astuces, également pour booster votre digestion, pour aussi refaire des recettes healthy si vous en avez besoin, donc plus digeste, un petit peu moins calorique, mais tout aussi excellente que des recettes, je dirais, plus traditionnelles. Et enfin, n'oubliez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, de rejoindre le groupe Facebook Cours de Fitness, Yoga et Pilates en ligne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre vidéo.